Salut tout le monde, aujourd'hui c'est lundi le 20e de mai de cette année 2024. D'après la nouvelle présentée dans le site web BT de Colorado de Crime, M. Rucker, la nouvelle vous fait savoir ce qu'il faut savoir concernant l'apparition d'un nouveau projet de loi qui s'appelle la H numéro 766 dans l'État de Vermont des États-Unis. Celui que le gouverneur fiscal de l'État de Vermont des États-Unis a récemment apposé sa signature pour lui accorder une approbation visant à faciliter ce qu'il faut réaliser entre la compagnie d'assurance et le fournisseur de soins médicaux dans l'État de Vermont des États-Unis. Ce qui fait allusion à l'action de limiter quelques matières préliminaires qui ne se trouvent pas très nécessaires, telles que l'action d'obtenir une autorisation au préalable. C'est le que la compagnie d'assurance maladie exige que le fournisseur de soins médicaux doive le faire comme une priorité avant de procéder à la procédure de fournir des soins médicaux aux patients dans l'État de Vermont des États-Unis. En disant cela, d'ailleurs, d'après la nouvelle, avec l'application de ce nouveau projet de loi au Vermont, il suscite un temps donné dans lequel il exige que la compagnie d'assurance maladie doive répondre à la demande provenant du fournisseur de soins médicaux concernant une autorisation au préalable.